bienvenue sur News Daily. En fait, les arrivés pour nous parler de debt ceiling. Un discours que gain longtemps pas attendre puisque nous en septembre, nous parlons entrer en octobre, nous songer en fait sous justement et Obama en pile bataille était fait cause ça. Mais il se trouve que républicain yo sous Donald Trump yo levé debt ceiling nan sans pas de aucun drame. Bien facile. OK? Mais il se trouve que Biden et qui prend pouvoir, qui fait prend pouvoir et s'il n'a pas les debt ceiling là, faut comprendre ça, ça veut dire les États-Unis c'est un pays qui vit en pile de prêt qu'il fait de l'extérieur. Ils vivent de prêt. Et c'est ça qui fait fort souvent, c'est le Congrès qui pour bal autorisation lorsque COB là pas suffit. Pour augmenter le niveau de COB que le capable de prêter. Et alors là, il n'y a pas de dette ceiling. Il faut nous mettre nous d'accord que plus fort dette que nous pourrons payer là, près de 97% de dette que nous pourrons payer, c'est des dettes qui fait avant Biden pour un pouvoir. Je vais continuer de comprendre. OK? Or, il se trouve que républicain qui marre 4 000 dans le fond là, justement, il a fait comprendre que il n'est pas prêt pour voter pour lever le niveau de ceiling. Dans le conseil de ceiling, il y a deux possibilités. En plus, le monde pense que il est temps pour que il prenne une loi qui pour tout simplement. Si c'est pas une cause ça, ça veut dire qui ça retirer requirement ça qui à chaque fois mandé pour négocier avec des parlementaires pour lever des ceiling puisque d'une manière ou d'une autre les États-Unis comme grande puissance pas qu'a fait bac devant dette que li gagne à l'endroit de ensemble de pays. Ou après rappelo on laisse sous Obama il était downgrade les États-Unis parce que ça veut dire pas solvable de pour commencer pas payer des tout. Et ça veut dire. Et top non au niveau de l'administration Biden économique officiel yo. Yo justement fait appel ça à ba Sénat démocrate yo en fait mercredi pour que yo kembe yon stratégie unifiée. Pour bataille, ça a qu'une gagne devant nous là. Président Joe Biden avec Congressionnel démocrate, il va rentrer dans le mois de septembre là. Pour bataille, ça avec les républicains sous causé. Augmenter ou bien tout simplement suspendre causé chaque fois pour avoir besoin et lever des cylindres. Parce que l'étape facilité un ensemble de combats inutiles, l'étape empêcher que. Et des parlementaires utiliser ça comme un bargain comme quoi que eh bien il y a shut down pays il y a prendre les États-Unis pas solvable c'est une menace et il pas bon pour secteur économique là on remarque là il parlait de et debt ceiling là li justement pousser ça dans le marché de la monnaie là et sous point pour li collapse et en pile conseil au niveau du département du Trésor, il a demandé sénateur démocrate justement de faire comprendre nécessité pour que républicains et démocrates rejoignent ensemble pour passer loi ça pour augmenter ou bien si vous voulez tout mettez un fin avec causer dette limite ça nous les dette ceiling là ceiling le plafond niveau pour dette là pas arrivé et vous faire comprendre que c'est une responsabilité. C'est une responsabilité que vous tout gagnez. Et puisque bah ça a fait pendant 3 fois, bah partisan démocrate et républicain mettent tête ensemble pendant 3 fois sous Donald Trump, pas jamais te gagne discussion sur debt ceiling. Et c'est là que démocrate républicain. Alors les termes démocrate yo vle mettre républicain yo justement. Et yo vle mettre yo face à une situation pour dire OK. En d'autres termes, démocrate ne prend pas pression.
démocrate jusqu'à présent a parlé là yo croit que tout ça républicain a dit la répression parce que vous pas imaginer ou saute bon président là pendant trois fois ou lever des tilines sans parler vont ti douette et que pour première fois président démocrate la fait monter il beau gagner non kounye là grand un problème pour lever des tilines pour lui et nous saute dou 97% en dette ça c'est les dettes qui t'ai gantan. C'est des dépenses qui t'ai gantan fait des dettes qui t'ai gantan fait justement avant même que Biden monte au pouvoir. Leader au niveau du Sénat, Mitch McConnell, leader républicain, lui-même lui décide prend un chemin gros point OK contre l'idée ça. Et en fait, mais ça le dit lui-même. Il dit, à pas démocrate, yon gon projet là pour y aller passer infrastructure pour compte yon 3,5 trillions de dollars pour qui ça yon pas tout fait le même genre, tout augmenter des ceiling pour compte yon. Donc, il dit, démocrate yon dégage yon par la donne, yon levé des ceiling pour compte yon. Son baga qui était toujours fait en bipartisan. Et c'est en ce sens que démocrate yon refuse d'entrer dans la logique ça. C'est vrai que y a une infrastructure pour simple, il dit pas penser d'être dans la donne. Il a metté justement républicain face au mur. Il a metté yo en face à responsabilité pour est-ce que tout bon vrai nèg yo pour quitter les États-Unis default. Les États-Unis default. Livre dit qui ça? Les États-Unis la plus grande puissance du monde pour non situation côté que pour pas qu'à payer dette li. C'est des impacts tête chargée que il a gagné sur économique là et nous connaissons que République est sensible avec marché, avec business. Et, nous rappelons que McConnell, lui-même ensemble avec 45 collègues li, au niveau du Sénat, yo prend un si yon lettre, yo vre by Biden, yo dit que yo pas voté sous cause augmenter ou bien suspendre de Tilina. Nous connaissons pour sa fête bipartisan, yo besoin 60 votes pour avancer. OK? Et la Maison Blanche qui bien de scène a travaillé OK pendant semaine ça là semaine qui s'est passée toute semaine ça j'ai travaillé en pile sur causer détail sur 3.5 trillions package là qui c'est le noyau le cœur de véritable législation Biden là. Semaine qui a venu là yo. Et c'est des semaines, c'est des moments déterminants pour l'administration Biden. Nous déjà connaissons qui a fait face avec impact retrait de l'Afghanistan, impact de cyclone Ida. Mais ce mois de septembre, semaine ça, nous sommes capables de dire c'est do or die. Soit fait ou bien mourir. Et l'important pour nous, tu as fait paquet de 3,5 millions passés, ainsi que 1,2 trillion qui était déjà voté dans le Sénat. Pour Biden, justement, qui en d'accord, qui a géré là, qui a fait face avec une situation, on dit les impacts chaotiques, justement, de Sandarele, yon retrait sanglant de l'Afghanistan, en pile critique, et que l'a fait là, et dans le jour qui a là, l'a bien, justement, pour l'entrée dans la bataille, ça, pour faire passer infrastructures, qui sont phases importantes. Donc, c'est sous point ça que lié là. Donc, nous voulons faire comprendre que sur le point politique, mois de septembre, justement, c'est un mois à suivre. Mois de septembre, c'est un mois qui est vraiment déterminant en termes de programme politique et sur le plan de bataille. Il y a un bon suspense. Même pour 3,5 trillions, je vous garantis pour avoir un pile débat. Puisque l'opinion des démocrates modérés pour Simena. C'est vrai que le vote, elle-même dit qu'il faut gagner une négociation, l'imande des changements. Et qui changement? Nous, beaucoup connaissons. Donc, nous autres, nous permettons, nous promettons pour nous suivre de près mois de septembre, là, tout ça que Pral dit, dans le cadre d'infrastructure, ça va bien être un bon avantage pour défendre dans le cadre de projet. Ça. Donc, voilà, guys, et nous promettons pour nous suivre de près pour vous. Pral a toujours été connecté avec nous. Les dernières infos, nous toujours partagé au bon site.